Le président de Samsung Mobile en personne le présentait comme son bijou dernier cri, le Galaxy Note 7. Lancé en août, lors d'un show démesuré. Une débauche de moyens réduite à néant. Ces dernières semaines, 35 appareils ont explosé, prenant feu lors de leur recharge, comme le montre cette vidéo postée sur Internet. Une catastrophe industrielle, Samsung retire de la vente son téléphone et doit rappeler 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Un dysfonctionnement qui inquiète les consommateurs. Évidemment, je me poserai des questions. Je pense que je me renseignerai. J'achèterai peut-être pas ce modèle, en tout cas, de téléphone portable. Ouais. Ces incidents ternissent l'image du constructeur sud-coréen qui livre une guerre sans merci à son concurrent Apple. Au premier semestre 2016, plus de 22% des téléphones vendus étaient des Samsung. Mais le constructeur américain est en embuscade avec plus de 11%. Si on considère que l'un n'est pas 100% sécuritaire, je dirais entre guillemets, sûr, le consommateur va peut-être se reporter sur un autre appareil, notamment celui d'Apple. Car cet accident industriel tombe au plus mal pour Samsung. Le concurrent Apple s'apprête à lancer dans 2 semaines son tout nouvel iPhone.